un salon de professionnels. Disons que ce n'est pas directement auprès de ces gens-là qu'on a affaire d'habitude, mais enfin c'est surtout tout ce qui véhicule derrière, ne serait-ce que le titre du salon, salon nucléaire et ultra propre, quoi. Quand on sait la nocivité des radioéléments, on se fout du monde, quoi. Il fallait venir le dire, quoi. Voilà. Hop là, non, mais ça va, là. Réacteur en tissu, on voit bien qu'il est fissuré, rafistolé, et donc en fait ce faux réacteur est là pour illustrer ce qui pourrait possiblement se passer si on ne fait rien. Puisqu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'EDF souhaite prolonger la durée de fonctionnement des réacteurs à 50 voire 60 ans, et les rafistoler à un prix colossal, puisque ça coûterait à peu près 250 milliards d'euros, et donc engager un grand chantier et des travaux sur tous les réacteurs vieillissants pour pouvoir les prolonger, évidemment au mépris des risques. Alors je vous l'ai dit, hein, cette prolongation et ce rafistolage, ce serait bien trop cher, hein, 250 milliards d'euros, également trop risqué. Ce serait inutile parce qu'il y a beaucoup de pièces des réacteurs qui ne peuvent pas être changées. Et puis ce serait aussi dangereux pour les travailleurs, puisque c'est eux qui interviendront en zone, hein, pour procéder à ces travaux. Comité d'accueil pour le salon ultra propre. Le salon qui maîtrise tout. Qui est propre que de nom. La maîtrise totale! On maîtrise le nucléaire! Oui! Donc nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour protester contre la tenue du salon nucléaire et ultra propre, mais également en fait pour protester contre toute cette vague de salons qui vont avoir lieu en octobre, puisqu'en fait, en octobre, le nucléaire fait sa grande braderie. Il va y avoir un autre salon dans les jours à venir, hein, à la mi-octobre, au Bourget, qui se veut être le salon international de la filière nucléaire. Alors nous, on les a appelés, hein, de manière humoristique, les salons qui tuent. Et donc, on met en place avec les groupes locaux comme Sortir du Nucléaire 38 ou avec d'autres groupes, comme à Paris, tout un tas de mobilisations pour protester contre ces salons qui tuent. Nous, à Grenoble, nous avons aussi une pollution forte. Certes, d'un élément qui n'est pas le plus toxique comme le plutonium, mais c'est le tritium. Il y a une pollution de l'air par l'Institut Laue-Langevin de recherche. Ça fait déjà depuis 40 ans que les citoyens essayent de dire non merci, bien gentiment, et ne sont jamais écoutés. Et aujourd'hui, le 1er octobre, il doit y avoir le début du débat sur la transition énergétique. Et dans cette loi, il n'y a rien de prévu pour donner à l'État les moyens d'agir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous rassemblons ici face à Alpes Congrès, où se tient aujourd'hui le salon Nucléa associé au salon ultra propre. Nous, c'est notre mini salon ici en plein air face à un salon où se fait à l'intérieur les petites affaires du nucléaire, hein, et avec le salon de la décontamination, parce que ça c'est une voie d'avenir pour le nucléaire. Vu que c'est une énergie vieillissante et de plus en plus menaçante au fur et à mesure qu'elle vieillit. La loi de transition énergétique, nous l'attendions certainement comme vous depuis longtemps. Non, Grenoble n'est pas la capitale européenne du nucléaire. Ça, c'était au siècle passé, au 20e siècle, au 21e siècle. Le CEA, maintenant, ça va être le Centre des énergies alternatives.